Bienvenue à notre académie. C'est le temps d'apprendre à bouger pour devenir de vrais super-héros. Pascal! Pascal, viens ici, s'il te plaît. J'arrive! Aïe, aïe, OK. Faut vraiment que tu apprennes à gérer ta vitesse. Ah! Coucou. Leçon numéro 1, gérer sa vitesse. Quand on est un super-héros, il faut être capable de... chanter l'alphabet à l'envers! Z-Y-W-V... Non, c'est pas ça. Il faut être capable de contrôler sa vitesse. Ah oui, c'est pas fou. C'est sûrement un petit peu plus pratique. Effectivement. Puis pour être prêt à faire face à toutes les épreuves, il faut savoir s'adapter à toutes... toutes? Oui, toutes les situations. Alors, il faut être capable d'être rapide ou lent. Pratiquez-vous avec nous, là. Quand la musique va aller vite, on bouge rapidement. Quand la musique va ralentir... on bouge plus lentement. Tous ces exercices vont vous servir si vous devez espionner un méchant ou tout simplement le fuir. Vous êtes prêts? Musique! On commence en courant, mais pas trop vite, là. Juste un bon rythme et attention, on accélère! Ouh! On ralentit, on marche. Et plus lentement. Prochain mouvement avec lequel on va jouer, l'espionnage. Attention, on espionne rapidement. Espionne. Vite, partout. En bas, en haut, à droite, à gauche, haut. On espionne lentement pour être sûr de voir tous les détails. Oui, vite, espionne. Ouh! C'est tout ça. Ah, c'est important aussi d'esquiver les méchants, tu comprends? C'est vrai. Alors, attention, on se penche. Un autre coup. Et on contre-attaque, plus vite. Ah! Esquive. Plus lent. Dernier mouvement, les savates. C'est important de se défendre quand on est un super-héros. Attention, savate très lentement. Plus lentement. Plus lentement, ça. Moyen lent. On va accélérer. Accélère les savates. Plus vite! Savate! Lent. Vite! Ça va. Hey, ça fait du bien, hein? Ah ouais, on a appris à jouer avec la vitesse. On arrive à se défouler, mais là, il faut encore esquiver. Oh! Esquive! Oh!